America, Washington, D.C., signing out. Contre la plus grande base aérienne, tu as plus de 30
combattants covid-19 et blessé plus d'une cinquantaine d'autres personnes ce dimanche dans le sud du pays, selon des sources militaires et loyalistes. La base d'Alana est située à 60 km au nord d'Aden, la capitale provisoire du gouvernement yéménite. L'ouragan Ida a touché terre en Louisiane avant midi, s'envolant des vents de 240 km/h. Il s'est abattu près de Fort-Courchon, au sud de la Nouvelle-Orléans. C'est d'un jour pour jour après l'arrivée de Katrina, c'est dévasté cette région du sud des États-Unis. Ces effets se font déjà sentir dans les terres avec plus de 120 000 foyers privés d'électricité et le niveau de l'océan est par endroits d'un mètre et demi au-dessus de sa moyenne actuelle, rapporte le Centre américain des ouragans.
Thank you.
sur Twitter, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis partout où vous me trouvez. N'oubliez surtout pas, cherchez-moi sur les réseaux sociaux en cherchant Roger Bouton. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur ma chaîne, sur ma page Facebook, partout où je suis. Abonnez-vous, envoyez-moi un message aussi sur WhatsApp, au plus 1703 350 37 31. Good sign.